Épisode de Génération perdue. Euh, le podcast, qu'on parle aux auteurs, on parle avec des auteurs ou des gens euh, du milieu de, euh, de la littérature. Puis aussi, ben, de temps en temps, euh, je donne des petits conseils euh, basés un peu sur mon expérience. Puis aujourd'hui, c'est un de ces épisodes-là. Donc, euh, on va adresser, le, pour avoir un thème bien francophone, on va adresser la question des du site web est ce qu'un auteur devait avoir un site web ou pas? Je vais vous donner dix raisons pourquoi un, site, un auteur devrait avoir un site web pour sa business. On ne se le cachera pas. Un auteur, aujourd'hui, euh, doit se comporter comme une PME. Puis là, je sais que je vais choquer des oreilles de tout le monde avec ça. Parce que là, on aime bien le côté pur de l'édition euh, en disant que... c'est Non, non, moi, je suis un artiste. Puis là, je n'ai pas... Euh, compromettre là, ma, ma vision pour. Euh, non, c'est pas question de se compromettre au niveau artistique. C'est vraiment... Il y a un côté business plus ou moins développé selon euh, si t'es pris en charge, par exemple, par un agent ou par une agence et tout ça. Mais quand même, sais ils vont quand même vouloir que tu aies un site web. Puis là, c'est probablement eux qui vont s'occuper de ça, mais quand même, ils vont vouloir que t'ailles un site web euh, pour euh, justement là, Pour les, probablement les raisons que je vais énumérer. Mais euh, si t'es un auteur, puis que. Euh, tu veux absolument euh, gérer tes choses, comme un auteur indépendant comme moi, mettons, ou quand même, euh, qui, est dans une, euh, qui est édité par une maison d'édition traditionnelle, mais qui euh, n'a pas nécessairement le, 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 le pushing des grosses vedettes de, de, de ce monde, donc doit quand même là, prendre en main une partie de son marketing personnel ou de son branding. Vous euh, avez peut-être déjà entendu ce terme-là euh, dernièrement. Donc, le branding, comment on se présente notre marque de commerce personnel, comment est-ce qu'on la présente? Donc, moi, évidemment, j'aime bien euh, contrôler ce que, tout ce qui concerne mon branding. Euh, donc, euh, je me suis occupé moi-même de mon site web. Mais euh, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez embaucher quelqu'un, vous pouvez avoir euh, une firme là, ou une agence qui va le faire pour vous. Mais je vais vous dire vraiment pourquoi, selon moi. Un auteur devrait avoir euh, un site web. Puis je vous dirais, ces dix raisons-là sont pas mal. S'applique à pas mal n'importe qui qui, a, qui gère son propre branding, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit un chanteur, que ce soit dans un, un entrepreneur, que ce soit une personnalité publique. Pas mal, les dix raisons s'appliquent. Mais euh, je suis vraiment concentré le auteur aujourd'hui. Donc, dix raisons. Aussi, je vais euh, dans ma chaîne YouTube. Euh, prochainement vous euh, mettre euh, une vidéo, ce que je vais passer en revue, euh, quelques sites web que je, tourne, que je trouve bons d'auteurs, dont le mien, pas parce que je le trouve bon, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai bâti comme ça. Puis je vais vous montrer d'autres euh, sites web d'auteurs que je trouve bien, puis que je vous expliquer aussi pourquoi je les trouve bien, puis ça sera des choses différentes de moi, mais euh, je pense que c'est intéressant, là, mais c'est vraiment un no-brainer d'avoir euh, ça. Donc, euh, puis je vais vous dire aussi quels outil vous pouvez utiliser, et tout ça. Donc, je vais vous donner des trucs plus dans, le, la, dans la vidéo YouTube que euh, ici. Mais ici, c'est vraiment les 10 raisons pour le site web. Donc, première raison, plus pas en ordre, c'est vraiment <laughs> 10 raisons là, sont aussi importantes les unes que les autres. Là. Donc, la première raison, c'est que ça vous donne une allure professionnelle. Ça, ça démontre que vous êtes un auteur sérieux, surtout quand vous êtes un auteur indépendant. Les gens ont encore tendance à, à penser que vous êtes un auteur indépendant parce que vous n'avez pas été édité par personne puis vous vous offrez pas de la qualité. Ce pas nécessairement le cas. Moi, j'ai, comme vous savez, en tout cas, si vous avez écouté tous les épisodes, vous savez que j'ai pas soumis aucun manuscrit à des maisons d'édition. J'ai vraiment décidé d'aller euh, indépendant et autonome. Un peu comme on voit de plus en plus dans la musique. C'est un mouvement qui est beaucoup plus présent aux États-Unis, au euh, en, en Royaume-Uni. Euh, mais moins dans la francophonie, mais au niveau de la musique, euh, bon, des chanteurs comme euh, Chance the Rapper et d'autres ont décidé de ne pas faire affaire, de pas nous faire affaire avec des, des, des labels de musique traditionnelle, mais vraiment de mettre leur propre musique sur, je crois, la plateforme SoundCloud et de euh, eux-mêmes gérer ça, leur propre carrière. Donc, c'est un peu euh, ce but Donc, en faisant ça, par contre, le lecteur lui doit voir que vous êtes un, un auteur sérieux, puis vous, ce qu'il va acheter de vous, ça va être de la qualité au moins au niveau du produit. Donc, euh, vous devez avoir une allure professionnelle, de vraiment <coughs> être. un... Vous, vous êtes un auteur, vous êtes euh, sérieux. Donc, vous avez votre carte de visite là, votre site web avec, euh, de qualité qui paraît comme un site web euh, qui de n'importe quel autre euh, euh, entrepreneur dans la vie. Donc, parce que c'est ce que vous êtes un, quand, en tant qu'auteur, que ce soit un hobby ou que vous soyez sérieux, que ce soit votre carrière, que vous en viviez, c'est quand même un business. Donc, parce que vous, euh, vous allez avoir des dépenses, vous allez avoir des investissements en temps à faire, puis vous allez avoir des revenus plus ou moins importants reliés à ça. Donc, euh, le site Web vous donne cette, déjà cette allure professionnelle qui va un peu vous démarquer là, de ceux qui ne prennent pas la peine de vraiment faire ça comme, comme il faut. Euh, deuxième point, ça, vous, ça donne une chance à vos lecteurs de vous retrouver. Donc, euh, si vous avez des lecteurs, évidemment, moi aussi, je lis votre roman, puis que ça m'a intéressé, puis là, je veux en savoir plus sur vous. Si vous n'avez pas de site web, ça risque d'être compliqué. Puis, je l'ai vu encore étonnamment par des auteurs aujourd'hui qui sont plus connus, qui sont vraiment édités par des maisons d'édition traditionnelles. Ils ont une page très basique sur euh, le site de l'éditeur, mais eux-mêmes ont point de site web. Je trouve vraiment très, très... Euh euh, très très bizarre, très honnête, là, que les gens ne donnent pas la peine de faire ça. Donc, je, ne serait-ce que pour avoir un, un point de ralliement pour vos, vos lecteurs, autre que votre euh, Twitter et votre Facebook. Mais vraiment, là, je, un, un peu votre boutique. Là, je rentre chez vous, puis là, OK, ça c'est vos livres, puis euh, votre bio, je sais pas, de lire, en savoir un peu plus sur vous. C'est vous qui contrôlez le message sur votre site web. Donc, ce pas euh, un Wikipédia que n'importe qui peut aller mettre des choses dedans. C'est vraiment vous qui contrôlait le message, donc vous vraiment vous, vous maîtrisez ou vous offrez à vos, à vos lecteurs vraiment toute l'information nécessaire sur vos œuvres. Vous pouvez même décider d'écrire euh, ce qui vous a inspiré sur votre œuvre, pourquoi vous avez écrit ce roman-là et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous permet de en plus de en plus une meilleure façon de consolider vos lecteurs. Donc de vraiment de les intéresser, et de les accrocher à vous et qui vous suivent. Le but ultime, c'est vraiment que les lecteurs deviennent des super fans, donc, euh, qui vous suivent, peu importe ce que vous allez écrire, vont l'acheter, vont le promouvoir à leurs proches, vous aider dans le bouche à oreille de passer le mot que vous êtes un auteur incroyable qu'on doit découvrir ou un, un auteur que dès qu'il sort quelque chose, c'est un événement attendu. Donc, vous voulez ce, ce genre de super fans-là qui, qui vous suivent pour avoir ça, ben. Évidemment, il faut avoir un site web là, où est-ce qu'ils peuvent se retrouver. Vous pouvez bien sûr faire des, des groupes Facebook, vous pouvez faire autre chose, mais le site Web, c'est un, un prérequis, absolument. À ce niveau-là. Puis, ben, ça vous permet aussi de donner une touche personnelle. Donc, si vous voulez décider de partager des photos de vous dans votre vie... Euh en général, vous pouvez le faire dans Instagram et tout ça, mais encore là, Instagram, c'est vous, mais c'est pas nécessairement. Vous vous perdez dans la mer euh, de d'autres Instagram. Puis quand vous allez vous arriver sur le fil Instagram de vos, des personnes, même s'ils sont intéressés à vous, à vous voir, bien là, il faut vraiment qu'ils voient votre photo à ce moment-là. Quand vous la publiez votre photo sur Instagram ou quand vous publiez votre tweet ou encore pire sur Facebook, il faut que la personne soit là en ce moment. Puis je dis encore pire sur Facebook parce que sur Facebook, maintenant... Instagram, ça, ça devient ça aussi parce que ça appartient à Facebook également, mais c'est vraiment, ils vont vous pousser le contenu au, à leur lecteurs basé sur ce qu'eux pensent qu'ils veulent voir. Donc, même s'ils sont abonnés à vous ou vous suivent sur votre page, like votre page Facebook, euh, dans leur fil d'actualité, si Facebook trouvent que vous n'êtes pas un contenu pertinent pour eux, ils ne vous montreront pas. Donc, euh, la seule façon que la personne peut vous voir dans, dans Facebook, si c'est ça, ben c'est de cliquer sur, sur votre. de penser elle-même d'aller voir votre Facebook page puis d'aller lire les dernières nouvelles. Donc, euh, c'est pas vraiment la meilleure affaire, Facebook, dernièrement, de la façon qu'ils font ça, mais votre site web vous appartient puis c'est à vous, donc la personne peut très bien aller voir dans votre site web. Si elle est consciente que c'est là que vous êtes très actif, bien évidemment, ça va être meilleur pour, pour elle. Donc, dans la même veine... Votre site web, c'est votre meilleur outil pour promouvoir vos œuvres. Donc, quelqu'un qui dirait, ah, moi, je viens de lire le roman de, je vais donner l'exemple de Martin Michaud, qui est l'auteur des Victor Le Sort. OK, j'ai lu un Victor Le Sort. Moi, je veux savoir, premièrement, c'est dans quel ordre je devrais lire les Victor Le Sort. C'est quel le premier, c'est quel le deuxième. Il a sorti d'autres livres, Martin Michaud, il a fait d'autres choses. Ben, je tape Martin Michaud, puis là, je vois qu'il y a un site web, je rentre là-dessus, puis là, j'ai toute l'information, puis ça va être un des sites que je vais vous présenter je trouve qu'il qu est bien fait. Euh, surtout que Martin, euh, je, je crois de mémoire, euh, dit justement dans quel ordre les, les, les Victor Le Sort, même s'il que qu'ils sont indépendants un de l'autre, et pas obligé d'avoir vraiment lu d'autres avant pour comprendre. Mais quand même, d'avoir lu dans l'ordre, ben, ça permet d'au moins suivre les personnages et tout ça, donc dans, dans l'ordre qui se sont apparus dans, dans le roman donc, euh, ou dans l'histoire. Donc, ça, c'est très bien aussi. Donc, vous maîtrisez, le, vous pouvez promouvoir vos œuvres, vous pouvez faire des, euh, des promotions euh, dédiées aux, aux gens qui visitent votre site, vous pouvez euh, donc promouvoir, euh, les mettre en valeur. Donc, vous contrôlez encore une fois votre site web. Donc, vous contrôlez ce que vous allez mettre en avant euh, pour ceux qui veulent venir vous voir. Donc, dès que vous avez un lancement qui s'en vient. Bien évidemment, vous allez mettre euh, en page frontispice là, de votre site, vous allez mettre euh, votre nouveau roman qui s'en vient, créer un, un, une excitation, un engouement. Vous pouvez même, même mettre un, un, un countdown, un, un décompte à bon français de votre. Euh, de la date, ben dans, je sais pas moi, dans 18 jours, 8 heures, 12 minutes, puis là, vous avez le, le, le décompte qui tombe. Fait que vous, pouvez créer, euh, vous pouvez même créer... Euh, leur demander de s'abonner à, à votre info-là, de rentrer leur courriel pour être avisé dès que votre, euh, votre livre sort. Puis seule chose que vous pouvez faire au niveau de la promotion, donc c'est très important de l'avoir à ce niveau-là. Quatrième point, euh, ça vous permet de développer une audience et des abonnés à votre info Donc, le meilleur... Le meilleur outil, je parlais de Facebook tantôt et tout ça, le meilleur outil que vous avez... Pour vos super fans ou pour, euh, en tout cas, euh, être en contact et posséder votre liste de fans, c'est d'avoir une infolette et de la. X Parce que votre infolette, c'est vous qui la, qui la contrôlez. Donc, elle vous appartient. Facebook, demain matin, vous avez. 4000 fans sur votre page Facebook. Facebook, demain matin, ils décident qu'ils ferme ou demain matin, il décide qu'ils vous, il vous bloque pour une raison ou pour une autre. Considère que vous avez dit quelque chose que c'est pas dans leur ligne de, de pensée. Vous, donc, vous perdez ces 4000 fans-là. Vous n'avez plus de moyen de les rejoindre. Et Facebook, évidemment, vous, euh, tiens, mordicus ça n'a pas publié cette liste-là. Il n'y a pas de moyen pour vous de, de vraiment le, sortir ces gens-là de Facebook et les amener vers vous. Donc, et même vous, si un jour vous dites, ben là, Facebook, moi, je ne suis pas d'accord avec leur philosophie, parce que, par exemple, vous, ils vendent les, vous trouvez qu'ils vendent vos les données personnelles, vous êtes contre ça, et tout ça. puis là, vous, vous décidez de fermer votre, fan, votre page Facebook, ben vous perdez vos 4000 fans en, en même temps. Donc, euh, en ayant ces 4000 fans-là dans votre infolette, ben, premièrement, vous pouvez communiquer avec eux régulièrement, en leur envoyer leur une infolette. Par exemple, moi, j'en envoie une euh, à tous les mois. Euh, autant à mes lecteurs français qu'à mes lecteurs anglophones, je leur envoie ça, puis des gens se désabonnent, puis tu sais, parce qu'ils ne veulent pas avoir une infolette nécessairement, puis des fois je donne l'option aux gens, ben voulez-vous juste recevoir quand je vais sortir un nouveau livre, voulez-vous juste recevoir quand j'ai des promotions, ou vous voulez avoir l'infolette de, de tous les mois, puis ceux qui disent bon, non moi écris-moi juste quand tu as un nouveau livre, ben c'est parfait. Mais va, va, votre infolette, je vais revenir à, à l'infolette dans un autre épisode, mais euh, c'est vraiment un moyen très, très puissant de garder vo vos fans captifs avec vous, puis de leur donner, euh, je m'en vais en dire, l'impression, mais ce n'est pas une impression, c'est vraiment qu'ils sont des insiders avec vous. Donc, vous leur donnez des, des informations que vous ne donnez pas à personne d'autre. C'est très, très niché. vers Vous, vous savez qu'ils sont intéressés à vous. Donc, vous y allez très deep dans euh, ce que vous voulez dire au niveau de votre vie personnelle. Vous allez, mettre, vous, vous allez en voyage, mais vous allez peut-être mettre trois quatre photos de voyage hein, peut-être un journal de voyage euh, qui serait peut-être intéressant que les gens pourraient consulter donc euh, ce genre de choses là super pas intéressant pour vos lecteurs parce qu'ils veulent ils ont, savoir, là, qui vous, ils ont soif de savoir ce qui se passe avec vous ils ont soif de savoir ce qui s'en vient vous pouvez même euh, euh, donner des 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 choses euh, euh, des goodies qu'on pourrait dire là comme euh, sur vos personnages, comme vous pourriez faire des fiches d'entrevue de vos personnages, ce, ce genre de choses-là que je pense faire bientôt. Moi, ce que j'ai fait, mais il faut, faut donner quelque chose en, en échange. Que parce que vous allez avoir des, une croissance organique qui est des gens qui vont. Qui, vont vous, vous, euh, qui vous aiment, puis qui vous apprécient puis qui vont s'abonner à, à votre infolette juste en, en allant sur votre site web parce qu'ils veulent avoir des nouvelles. Ça, c'est une partie. Mais c'est quand même ça, c'est des super fans, c'est parfait, mais c'est mineur quand même, les gens qui vont aller jusque-là. Euh, mais vous voulez aussi vous faire connaître. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, qui est un auteur inconnu, <laughs> évidemment, je n'ai pas le, la force derrière moi d'une de, maison d'édition qui mettrait beaucoup d'énergie. Le marketing à me faire connaître, à me booker des entrevues dans les médias, et tout ça. Donc, euh, je suis quelqu'un qui n'est pas très connu. Alors, à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, puis c'est quelque chose qui est recommandé, puis je vais encore une fois en reparler dans, plus en, en détail quand on va parler euh, des infolettes, mais j'ai été vraiment. J'ai donné deux courts romans de 30 à 40 pages, romans qui donnent une idée de mon style et je, je le donne gratuitement en échange de l'adresse courriel de la personne. Donc, elle s'abonne à mon infolette, mais moi, je lui donne deux petites... deux, deux courtes d'histoire qui, vraiment, lui donnent... « car c'est ça, mon style. » Fait que c'est à ça que tu peux t'attendre de moi comme écriture. Donc, la, la personne, gratuitement, tu sais, c'est sans risque. Donc, va lire ça. Puis, euh, va peut-être être poussé à... Puis, en, en même temps, je lui donne... Ben, je, je ne vendrai pas tout en ce moment parce que là, je suis en train de tout vous dire ce que je fais pour l'infolette, mais ça ressemble à ça. Donc, vous pouvez donner quelque chose en retour de la précieuse adresse email que la personne vous, vous donne, mais en même temps, cette adresse email-là, vous, vous devez la respecter parce que c'est vraiment quelque chose qui est très précieux. Donc, j'en parle plus dans, dans un autre épisode. Euh, le cinquième point, avoir un, vous pouvez avoir un blog, donner du contenu pour donner un aperçu de votre style. Je viens ai parler un peu à vos lecteurs potentiels, mais plus dans un style de blog. Donc, euh, vous voulez avoir un blog, mais pourquoi bloguer nécessairement dans une autre plateforme qui ne vous appartient pas? Aussi bien faire un blog dans votre site web vous, puis de générer de des visiteurs sur, sur votre site, donc votre blog. Si vous, euh, vous pouvez vous créer d'un bon site. SEO, j'en parlerai un petit peu plus tard, euh, et vous, amener des visiteurs vers vous. Donc, euh, Puis vous pouvez euh, contribuer à un autre blog ailleurs aussi, mais vous, vous, vous écrivez principalement sur votre blog à vous, puis vous, vous pouvez tout simplement copier ce que vous avez fait dans, dans votre blog et l'envoyer ailleurs aussi. Ça, c'est correct. On appelle ça euh, multiplier son, son contenu, ce qui est très bien, mais. Euh, donc, euh, je conseille, là, de si vous voulez faire un blog, les opinions sont partagées sur ça, ça vaut vraiment la peine de le faire ou pas. Je vous dirais, faites-le pas euh, pour... Euh, faites-le pas nécessairement en pensant que ça, ça vous aider à vendre des livres. Faites-le si vous voulez faire un blog de toute façon. Si vous voulez faire un blog de toute façon parce que ça vous, vous voulez vous, vous parler de plusieurs sujets, faites-le sur, sur votre site. Mais faites pas un blog parce que vous pensez, ça vous tente pas, mais vous pensez qu'il faut le faire. Donc, c'est un blog que j'irais, dans, dans le sens que c'est pas nécessaire d'avoir un blog. Mais c'est sûr que ça, si, si vous en faites un, bien évidemment, ça fait que vous allez euh, être plus retrouvable sur Internet euh, par des gens que si vous n'en avez pas. Mais c'est mineur pareil. Donc, il y a certaines écoles de pensée qui diraient tu es mieux de prendre ce temps-là que d'écrire un blog à écrire ton prochain livre t'sais. en même temps tu oui mais on parle pas de la même affaire puis des, des fois ça te permet de sortir de ton t'sais, moi je pense que n'importe quel exercice d'écriture est bénéfique que ce soit un blog que ce soit n'importe quoi enfin, je pense pas que c'est perdu donc je suis pas vraiment de cette école là, là. mais euh, moi je encourage les gens à faire un blog moi j'en fais pas nécessairement mais euh, c'est pas parce que je crois pas à ça c'est vraiment parce que je veux pas de temps nécessairement pour faire ça mais j'aimerais en faire un petit peu plus donc euh... Mais c'est une des choses que vous pouvez faire. Donc, vous allez être propriétaire de votre blog, encore une fois. Donc, si jamais vous allez sur une plateforme autre et puis que cette personne-là décide que ce, son blog, il ferme, bien là, vous perdez tous vos articles, vous perdez toute votre range avec vos, vos, vos lecteurs. Donc, en ayant le blog sur votre site web, que vous pouvez après ça lier à, votre, à des posts Twitter des posts Facebook pour attirer des gens vers votre blog. Donc, ça, ça vous donne un autre moyen d'attirer de, des gens vers votre, votre site web. Euh, sixième point, vous permet d'annoncer des événements, vous permet euh, d'être euh, aux au médias, de vous rejoindre, euh, mettre des clips de journaux ou d'émissions. Si jamais vous faites des entrevues radio, ce genre de, de choses-là, ça vous permet de... Euh, de faire ça donc de, de les mettre sur votre site web donc de ce qu'on appelle d'optimiser votre euh, j'ai juste des, des termes anglophones là, social proof là, je dirais je traduis ça par preuve sociale donc dans, que euh, vous avez un, un vous avez un rayonnement euh, euh, social donc euh, vous l'avez là tu sais des, des gens qui vous il serait sur le, il sera renseigné sur vous, puis il verrait bon, des articles de, de journaux. Bon, okay, fait, que Là, Vous avez eu un, une exposition aux journaux, Donc, vous avez été interviewé à la radio et tout ça. Donc vous mettez tout ça sur votre site web, puis en même temps, bien, ça vous donne justement ce social proof -là, euh, que vous êtes sérieux comme, comme auteur. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je consolide les, les bonnes reviews, évidemment. Là. Je ne les, je les prends pas tous, mais. Du 5 étoiles, que je trouve que la review est vraiment bien écrite. Donc, euh, sur, que ce soit sur Amazon, Kobo ou sur n'importe quoi, Goodreads, euh, ben, ça me permet non, euh, probablement de les consolider. Parce qu'une personne va aller sur Amazon, va voir les reviews d'Amazon, mais ne verra pas les, les reviews d'Apple Books, ne verra pas les, les reviews de. Google verrait pas les reviews de Goodreads. Donc, euh, je les consolide là, les meilleures. Celles que je trouve qui sont vraiment bonnes, je les mets là. Quand, dans la fiche du livre, je vais mettre les, les reviews. Et ça me permet de traduire aussi parce que des fois, j'ai des excellentes reviews, mais en anglais. Donc, je trouve que ça serait le fun que ça soit en français ou vice versa. J'en ai une très bonne en français. J'aimerais l'exposer aux, aux gens en anglais. Donc, euh, je vais les traduire et puis je vais les mettre d'un côté ou de l'autre. Donc, ça, ça vous permet de, de faire ça. Mais aussi, ben, les médias qui voudraient vous embaucher, euh, vous vous booker pour, ou même euh, un, un, con, un conventum d'auteurs qui voudraient vous booker, euh, ben tu sais, les gens peuvent vous rejoindre. Donc, euh, ça, c'est très bon aussi. Donc, vous pouvez même faire une, une section me rejoindre, puis Média, vous pouvez décider de les, les relayer vers votre agent, si vous avez un agent, ou votre euh, ceux qui s'occupent de, de votre carrière et qui vous bookent, donc vous pouvez les, les relayer vers là de votre site web directement. Euh, le lien numéro 7, en fait, la raison de le numéro 7, c'est que vous, vous pouvez faire des revenus supplémentaires avec des liens affiliés. Donc, euh, ça, c'est très marketing, euh, mais vous pourriez très bien euh, prendre un lien affilié vers Amazon, par exemple, parce que vous vendez vos livres sur Amazon et euh, faire un lien de votre livre vers Amazon. Donc ça, c'est ce que ça permet de faire. Hein, les, les liens affiliés, en gros, c'est que si les gens cliquent sur votre lien et qu'ils font un achat ou qu'ils décident de, de s'abonner à quelque chose que vous, avez, vous, vous êtes affilié au niveau du lien, euh, ben ça vous donne une commission. Donc euh, par exemple, Amazon, je ne sais pas si c'est encore comme ça. Là. Je sais que souvent ils changent leur rôle, mais de, dernièrement, si quelqu'un cliquait sur votre lien affilié Amazon, exemple, pour aller voir juste juste pour aller consulter votre livre sur Amazon. Euh, sans, même s'il ne l'achète pas, euh, les achats qu'il va faire les prochaines 24 heures, vous allez avoir une commission. Que même s'il achète un friche-d'air, même s'il achète une télé euh, ou une paire de bois, vous allez avoir une petite commission parce que vous, vous êtes le dernier lien affilié euh, qu'ils ont utilisé pour se, se brancher à Amazon. Donc, euh, ça ne ça sera peut-être pas toujours comme ça, mais c'est un des exemples. Un autre, ben, si vous utilisez un, un produit pour écrire et que vous trouvez ça merveilleux, ben, vous pouvez dire avoir une section sur votre site web qui est les outils que j'utilise. Puis, par exemple, si, comme moi, vous utilisez Scrivener, ben, vous pouvez aller chercher un lien affilié vers Scrivener, mettre ce, ce lien-là, puis les, les gens, s'ils cliquent sur Scrivener, puis ils vont l'acheter, ben, vous allez avoir une commission. Donc, c'est moi, je, je le fais juste pour des produits que, que je crois. Euh, je ne pense pas là, que je mettrais des, des produits qui ne m'intéressent pas, là, mais je le ferai pour des, des produits, puis je dis au, au conditionnel parce que je ne le fais pas encore. Euh, je prêche pas. <laughs> je, je, je vous dis ce qu'il faut faire, mais je ne l'ai pas fait encore. Là. Puis j'avoue, c'est de la paresse pure. C'est parce qu'il faut que tu communiques avec eux autres. Puis là, tu cherché ton lien. Puis bon. Ce que j'ai pas eu le temps de faire encore. Mais c'est quand même quelque chose que je vais faire ultimement. Autant pour mes podcasts que pour ça. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme outil euh, À quoi je crois comme produit Puis je mets des, des liens. Euh, Puis après ça, ben, là, les, les personnes. Puis vous pouvez même, moi, je vais être très clair. Je, je vais dire ceci ce sont des liens affilié, je pense qu'il faut le dire parce qu'il faut que les gens sachent que vous allez avoir un, un bénéfice. Puis en même temps, c'est vraiment aux gens de vous encourager. Donc, si quelqu'un va chez Amazon, parce que pour le client, c'est pas plus cher pour lui. C'est vraiment lui, c'est le même prix. C'est vraiment vous que vous allez avoir une commission. Il enfin, n'y a pas de, de, de downside là, aux gens de cliquer sur votre lien affilié. Ils, eux vont, vont payer le même prix, mais en même temps ils vont vous, en, vous encourager. Fait que si vous pouvez dire, si vous cherchez un moyen d'encourager, encourager, ben, cliquez sur mes liens affiliés. Si jamais vous voulez acheter ces, ces produits-là, cliquez sur mes liens affiliés, puis vous allez avoir... Moi j'aurai une commission, puis pour vous, ben c'est le même prix. Donc euh, c'est quelque chose qui peut être très, très bon pour vous. Au niveau de se faire un petit revenu d'appoint, on s'entend qu'on vient pas riche avec ça, mais quand même, chaque dollar que vous pouvez avoir, euh, je pense que c'est bon. Donc, euh, puis surtout pour le peu d'efforts que, que, que ça demande. Une fois que votre lien affilié fini créé. Euh, ça, ça reste là, puis c'est du, euh, du revenu passif qu'on appelle. Donc, vous n'avez pas de choix à ça. Chaque fois que quelqu'un clique, ben, vous, vous avez une petite commission. Et, et, et qu'il achète ou qu'il s'abonne. Puis les, les, les abonnements, c'est le fun, parce que souvent, ils vont vous donner une cote sur chaque mensualité, donc c'est encore mieux. Donc, si quelqu'un euh, utilise un. Moi, j'ai des logiciels que, que j'utilise, que puis je vais les promouvoir en disant Ben, moi, j'utilise ça pour telle ou telle raison je trouve ça super bon. Ben, euh, si tu as un lien affilié, ben, puis es, c'est des mensualités, ben tu vas peut-être recevoir 5 de sa mensualité à chaque fois. Donc, euh, c'est. De ce côté-là, c'est intéressant. Euh, Numéro 8, je l'ai abordé un petit peu tantôt, les SEO, qu'on appelle en, en jargon technique, permet aux gens de vous trouver sans même vous chercher. SEO, c'est un terme anglophone qui veut dire Search Engine Optimization, donc euh, optimisation d'engins de recherche. Euh, C'est un peu là, ce que Google se sert pour euh, vous, vous rejoindre. là. Ça va déterminer dans où est-ce que vous êtes, dans quel rang euh, avec Google. Donc, si quelqu'un cherche quelque chose, exemple auteur, puis que vous, vous êtes très bon en SEO, puis que vous, vous, euh, vous mettez les mots-clés qu'il faut dans, dans vos articles ou dans vos pages web, euh, ça permet aux gens de quand si ils parlent auteur, auteur québécois et tout ça, ben, vous allez sortir dans le haut de la liste. Euh, à ce moment-là. Donc, mais pour ça, ça vous fera un, un site Web. Donc, c'est un peu pour ça que je dis ça. Là, je vous expliquerai pas le SEO, c'est quand même euh, assez compliqué. Ben, je ne l'expliquerai pas là. Hein, Peut-être un. Éventuellement, je ne constate pas que je le maîtrise encore assez pour pouvoir en parler, mais euh, c'est quelque chose que je veux un peu me pencher un peu plus là. Donc, euh, je vais probablement faire un épisode sur ça éventuellement. C'est vraiment de placer les mots-clés, d'utiliser, d'écrire. Je, je parlais de blog tantôt. Ben, les blogs, c'est le SEO est optimisé quand notre, notre contenu change sur notre site Web. Donc, ça, c'est un, une autre façon de le faire. Donc, en faisant des, des blogs, ben on démonte à Google que notre site est actif. Donc, le, on score un peu plus haut dans, dans le SEO pour ça. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais vous parler plus tard, mais c'est une des, des fortes raisons là, pour vous faire trouver même par, de, par des personnes qui ne chercheront pas nécessairement Sébastien Dugol, mais qui vont chercher auteur québécois bien, vont peut-être tomber sur moi euh, au troisième ou au quatrième link parce que j'ai fait une bonne job au niveau du SEO, puis là ils vont aller voir mon site puis bon, et voilà tout ce qui peut advenir avec ça. Ils vont voir que je donne deux, deux courts romans gratuits et tout ça, ils vont peut-être s'abonner à mon infolette. Puis là, on part sur quelque chose que je me serais fait découvrir par quelqu'un qui peut-être potentiellement m'aurait pas découvert autrement. Euh, le neuvième point permet de contrôler le message, j'en ai parlé un peu tantôt, centraliser vos efforts de marketing, ça revient un peu sur l'autre point, c'est que euh, la seule façon que vous avez à contrôler votre message, c'est vraiment sur votre site web. Donc c'est vous qui décidez le contenu, c'est vous qui décidez ce que vous allez écrire, ce que vous allez présenter, quel, quelle section vous allez mettre, quelle section vous allez pas mettre. Donc, c'est vraiment à vous qui décidez ce que vous allez dire sur vous, ce que vous voulez qui sorte comme message. Votre branding, vous allez contrôler. Contrôler vos efforts de marketing. Je tantôt de mettre en, en avant votre prochain livre et tout ça. Donc, sur quoi vous voulez focusser dans le marketing de votre livre, c'est vous qui contrôlez aussi. Donc, ça, c'est très important à ce niveau-là. Le site Web vous permet de contrôler votre message, ce qui est non négligeable, euh, considérant que souvent, ce n'est pas vous qui allez contrôler ça. Donc, euh, en tant qu'auteur indépendant, c'est merveilleux. On aime ça parce qu'on contrôle de A à Z. Mais même un auteur de maison traditionnelle, euh, des fois, vous allez vouloir pousser un petit peu plus, là, puis euh, contrôler vraiment votre message. Puis, dans le fond, la maison d'édition, à mon avis, il a pas vraiment de quoi à dire sur votre site Web tant que vous ne mettez pas en péril votre propre carrière puis, et par la bande de leur vente. Euh, je ne pense pas qu'ils vont vraiment dire quelque chose à ce niveau-là. Et le dernier point, point numéro 10. Permettre de vendre des articles comme des livres, des livres signés, de la marchandise. Donc, si jamais vous décidez de pousser un peu plus loin, donc, vous décidez, moi, je vais vendre des livres, puis ça, c'est plus les auteurs indépendants, là. quoique vous pouvez peut-être le faire, avoir une entente avec votre maison d'édition, mais euh, vendre vos propres livres sur, sur votre site. Donc, euh, avoir 100 des, des royautés, parce que, bien, en fait, ça vous a coûté le coût d'impression et, et le coût de shipping, mais euh, vous avez toutes les royautés sur, sur vos livres qui sont vendus sur votre site Web. Euh, si vous avez des audiobooks, ben, vous, vous décidez de faire vous-même votre audiobook, par exemple. Puis ça, ça s'applique surtout dans la, dans la dans non-fiction. Dans la fiction, c'est un peu plus dur. Ça prend un peu un côté, euh, un, un, un côté comédien. Mais euh, dans la non-fiction, vous faites juste lire, fait c'est moins pire. Donc, si vous décidez de, de faire un, votre audiobook, ben, vous pouvez le vendre sur votre site Web. Euh, si vous décidez de vendre des livres euh, qui, avec une dédicace, des livres signés, euh, encore là, vous pouvez le vendre sur, sur votre site web. Donc, vous pouvez vendre ces services-là sur votre site web. Euh, vous pouvez vendre la marchandise. Donc, si vous décidiez, de, par exemple, de faire des T-shirts euh, au nom au visage de votre personnage, ou vous décidiez de faire des tasses, ou vous décidiez de faire des casquettes, ou vous décidiez de faire des posters. Si vous êtes photographe, vous décidez de, de vendre des, des photos, euh, des cadres. Donc, tout ça, vous pouvez le faire, évidemment, sur des sites comme Etsy et tout ça. Mais encore mieux, c'est si, si vous le faites sur, sur votre site à vous. Donc... Euh, ça vous permet de, de faire ça. Donc, en gros, c'est les 10 euh, raisons, je vous dirais. Il y en, il y en a d'autres raisons, mais ça, je vous dirais, c'est les 10 là, euh, principales là, que je considère que vous devriez avoir un site web. Donc, j'espère que je vous ai convaincu de mettre l'énergie pour créer un site web. Comme je vous dis, dans ma chaîne YouTube, je vais euh, un peu vous montrer... Euh, en fait, il va y avoir comme deux sections. La première vidéo va être moi qui fais le tour de quelques sites... Euh, euh, tu sais Visuellement, je vais vous le montrer, là, quelques sites... Euh, à ce niveau-là euh, de pourquoi je les trouve bien et tout ça puis euh, j'en montrerai pas que je trouve pas bien je trouve pas nécessairement pertinent là. puis juste en vous montrant qu ce qui je trouve qui marche bien, vous allez pouvoir faire la déduction vous-même que si c'est pas là <laughs> c'est peut-être que c'est pas complet comme site et dans une autre, vidéo, une autre vidéo, je vais vous montrer un outil que, que j'utilise et je vais évidemment avoir un, un, lien, euh, euh, un lien affilié pour ça parce que c'est un outil là, que je trouve super intéressant. C'est avec ça que j'ai fait mon, mon site web. Il y en existe d'autres, mais je vais vous peut-être faire un... Bâtir un site web d'auteur très très vite avec vous euh, en ligne là, euh, sur, sur YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Euh, juste taper Génération Perdue dans, dans YouTube. Génération Perdue Podcast dans YouTube, vous allez trouver ma, ma chaîne très très vite. Euh, c'est les mêmes images que. Dans la fond, c'est le même branding que mon podcast. Donc, sinon, il euh, faut aller aussi sur mon site web générationperdue.ca, Et euh, vous allez pouvoir re retrouver la chaîne YouTube. Et euh, ça sera. Éventuellement, au cours des prochaines semaines, euh, je vais faire ça parce que ça manque quand même un petit peu de temps. Donc, je vais faire ça au cours des prochaines semaines avec l'outil euh, Thrive Architect, Thrive Teams, ou bien euh, euh, il y a Elementor aussi qui existe là, pour les sites WordPress. Donc, euh, je vais vous montrer ça également. Je vous montrer aussi probablement Wix, euh, qui est un autre euh, site, ou Squarespace. Fait Il y en a quelques-uns. Je vais peut-être pas tous les faire, mais je vais vous montrer ce que je peux, ce que je peux vous montrer. Donc, euh, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour avoir ce genre de conseils-là. Je vais avoir des invités aussi, comme on a eu Louise Gauthier dernièrement. Donc, je vais avoir d'autres invités qui vont venir nous parler de leur métier. Mais entre ça aussi, je vais faire quelques épisodes comme ça. Parce que je vous donne des petits trucs là, de moi, ce que j'ai appris qui fonctionne, puis un peu mon opinion sur ce que vous devriez faire. Niveau marketing et tout ça, ou au euh, niveau site web et euh, lors des lancements de livres et tout ça. Donc, euh, des, des choses que vous pouvez utiliser ou pas, tout dépendamment si vous, vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Comme euh, je dis toujours, je ne suis pas un expert, je suis loin d'être un, un auteur qui a okay, vendu des millions de livres, là, mais c'est un auteur qui se renseigne beaucoup sur, sur le marché puis qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'auteur indépendant. Donc, euh, si ça vous intéresse, abonnez-vous à, à mon podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Je suis partout, là, à Apple, euh, Spotify, Google, name it. Euh, sur le site web, vous pouvez écouter les épisodes aussi. Et puis, euh, je suis. on a un compte Twitter, on a un compte euh, Facebook. Donc, sur Facebook, euh, vous pouvez euh, aimer la page Facebook du podcast. Euh, je publie quand même là, des petites pensées sur ça, puis euh, à ce niveau-là. En tant qu'auteur, si vous êtes intéressé à moi en tant qu'auteur, j'ai mon site web, sebastienduga.com. Sébastien avec Y, s e b O s t y e n du G A S.com, tout ensemble. Euh, puis j'ai aussi une page une page web auteur en anglais, une page d'auteur une page en français. Là, je vois un petit peu plus personnel dans mon processus d'écriture, puis un peu ce que je suis rendu dans, dans ce que je vais publier. Donc il y a les deux. Si c'est le podcast qui vous intéresse, allez-y. Si moi, je vous intéresse comme auteur, allez-y aussi. On enfin, va faire plaisir de parler avec vous, d'échanger avec vous. Si vous avez des questions que je peux répondre, en va faire plaisir de vous aider. Puis, on se voit au prochain épisode.